Let's go! On est parti pour l'ascenseur! Enfin! Il était plus que temps qu'il y aille. Ça fait un petit moment. Ça fait depuis très longtemps que j'ai la première partie du truc permettant de prendre l'ascenseur. Mais je l'ai eu il y a très peu de temps, la deuxième. Du coup, on va brindir les médailles. Juste là où tu étais sur la map au nord-est. Ah d'accord, bah de toute façon, je vais visiter cette zone. De grâce, on a tué les... Non, les sites de grâce que j'ai dans cette zone, c'est dans les sous-sols. Là où il y a de la lave. Du coup, non, j'ai quasiment rien découvert de la zone. Des petits bouts de ruines, mais qui étaient pas très jolis, donc je pense que tu parles pas de celle-là. Alors, est-ce que je cache ma tête? Je vais cacher ma tête. J'y arrive. Voilà. C'est une cinématique. Alors, il y a un mec qui brandit une médaillon. En fait, c'est moi le mec, du coup, c'est une fille. Et ça fait... Ah! Je me suis cogné, désolé. Ambiance! Ambiance! Des genres de falaises où tu dois grimper avec des échafaudages qui vont en surplomb. Ah, ça me dit rien! Ça avance ce que tu fais. Ah! Ça me dit peut-être un truc. Ah mais si, ça me dit quelque chose en fait. Derrière le bruit. On dirait moi quand j'essaye d'aller me coucher discrètement et que ça marche vachement bien. Ok, l'ascenseur. Allez où ma cam? C'est mes ruines. Runes. Je me trompe sur tout en fait là. J'échoue partout. J'échoue à dire un mot. Je vais échouer à dire le mot échouer. Oh, regardez un truc, un égyptologue. Oh, un deuxième. Non, c'est les géants, c'est pas les égyptologues. Si t'as la tête dans la fenêtre de ta chambre, Oui. T'étais là quand j'avais expliqué. Donc je vous montre une photo de la porte pour que vous compreniez. Oui, parce qu'en fait, la porte de ma chambre, pour ceux qui ne savent pas, il y a en fait une petite vitre qui permet de voir dans la chambre. Super anxiogène quand t'es un peu flippette, mais en vrai, bon, ça va, je m'y suis habituée. Et du coup, quand je vais me coucher et que mon copain est déjà au lit, je vais regarder par cette petite fenêtre. Bon, alors le lit est collé au mur, du coup, on voit pas bien, mais souvent, voilà, je me colle un peu doucement. Et si je vois une petite lumière, ça veut dire qu'il est sur son portable et que du coup, voilà, je peux rentrer normalement. Si je vois rien, il faudra que je rentre doucement. Mais quelquefois, ça m'arrive que bah, le fait de me coller à la vitre fasse un peu plus de bruit que prévu. Du coup, j'entends dans la chambre, non mais je dors pas. Hein. Ah ouais, tu dors pas, bah non. Il entend un gros cring. Voilà, c'est moi qui essaye d'être discrète. Je rigole, mais il y a deux jours, en ramassant un truc par terre, j'ai mal jaugé la distance du dossier du canapé. J'ai tapé direct dedans. J'aurais très bien voir ça. Une méga marque sur le front, en plus. Non, mais ça va, je suis rassurée. J'ai un chat qui est cohérent avec moi-même. Ça m'arrive souvent, je calcule mal les distances. Ah ouais. Moi, souvent, c'est pas ça. Je calcule bien, mais mes gestes en eux-mêmes, eux, par contre, sont pas adaptés. C'est vrai que c'est plus ça. Il y a la volonté. Mais il n'y a pas le... Il n'y a pas le geste final, quoi. Bon, écoutez, on va essayer de les affronter. Hein. Je promets rien du tout. Mais j'ai même pas de... Attendez, j'ai même pas de feu de camp. Campement. Tiens, ça picote un peu, hein. Ok, ok. Là, qui passe à travers les murs. Non, c'est chiant. Mais j'ai même pas le temps, attends. Faut que je fasse au cac. Compris, il va me saouler sinon... Mais non, c'est pas ça.
crois pas sa vie. Hein. Non, 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 le feu, 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 ça fauffe. Allez! Ah! Attends. Ah, j'étais un peu, j'étais un peu piqué. Un peu piqué. C'était spectaculaire! Maintenant je peux viser. J'ai essayé, hein, vous avez vu, hein. Ma volonté était là. Je te marave! Bordel! Pareil, des fois ça m'arrive en ouvrant une porte et quand j'avance pour passer les bugs, je me l'envoie sur la tronche! C'est trop bien! Ça a dû m'arriver ça, ça a dû m'arriver. Ouais, ceci de coordination, parfois ça fait peur. Mais ça, c'est quand tu réfléchis déjà. Tu anticipes déjà ce que tu vas faire juste après. Du coup, bah t'es plus du tout dedans, quoi. Moi aussi, j'ai un arc. Ah merde. Oh, vache. C'est violent. Et bah voilà! Ah, ça se la pète moi maintenant, hein! Bande des losers. Oh! Les lags. Les lags me tueront. Je pense que dans la vraie vie, je vais mourir à cause d'un lag. Peut-être ça aussi, quand on a un problème de coordination, c'est qu'on a un lag IRL. Celui-là, j'avoue. Oui, oui, en vigueur, c'est... Non, mais je mets en vigueur, mais là, en fait, il m'en faut en endu. Chacun de mes sorts me bouffe tellement en endurance. Bon, alors, j'ai vu ça, mais je veux voir si je vois une... un feu, quoi. Un campement, un truc. J'aime bien en avoir un dans la zone avant. Je vais d'abord visiter la zone. Me faisait ultra peur, mais en fait ils sont assez lents en restant à leurs pieds. Ça passe, ouais, clairement. C'est plus gros, mais ils sont cool. Oui, mais comme les géants aussi, comme l'un des premiers qu'on croise au château, ils sont aussi quand même très lents et pareil, tu peux les avoir facilement au cas qu'ils n'ont pas beaucoup, beaucoup de trucs pour t'expulser. Ils sont assez faciles à anticiper, quoi. Et puis une fois que t'as trouvé leur point faible, bon bah ça va. Ça descend, à moins que tu sois vraiment pas au niveau. Mais ça descend quand même. Alors, il n'y a pas de campement. Ah si, j'en vois un là. Le voilà. Ils vont respawn les deux, là? Ouais, je pense, hein. T'as pas le médaillon pour l'endurance. Je vais y arriver. Bah, en fait, c'est que j'ai pris des trucs pour mes sorts, pour ma magie. Mon équipement maintenant c'est un truc qui augmente mon intel, un truc qui réduit le temps de canalisation des sorts et un truc qui augmente la puissance des sorts. Donc non, je prends pas l'endu. Mais mon casque est censé déjà améliorer mon endurance. Il réduit le coût en endurance... Ou non, il augmente la régène plutôt. Ouais, c'est plutôt ça. Mais ça suffit vraiment pas. Il faut pas mal d'endu quand même. Ah oui, je l'ai pas fait non plus celui-là. Oui, il y a juste un géant, mais c'est pas le même type de géant.
C'est un avec des ailes. Mais c'est celui qu'on a fait, d'ailleurs c'est dans la VOD qui va être mis en ligne demain. Enfin qui est déjà en ligne mais qui va être publié demain. On avait tenté de le faire la première fois qu'on a testé le multi avec Royal et Envy. Et on n'a pas réussi. Hein. En plus la vie est augmentée quand on est en multi. Et ça n'a pas réussi. Mais faut du coup que je le retente. Je me disais que j'allais tomber dessus dans le jeu, quoi. Et de sorpidore. Alors. Avant voir là-bas, j'ai cru voir quelque chose. Ah non, pas du tout. Mais c'est des méchants. D'accord, j'ai fouillé le cadavre, ça n'a pas marché. Moi, je veux juste faire les feux déjà pour pouvoir facilement respawn. Mais bon, ça sera peut-être pas tout de suite. Hein. Oh, les petits, ils sont trop chiants, eux. Tout ça pour ça, quoi. On s'embête pas avec ça. Il y aura sûrement une statue alors. On va dire qu'il y en a une. Hein. Est-ce qu'il m'en reste? Moi j'en ai plus je crois. Hein. Si? Si j'en ai. Let's go! Franchement, je suis mort 2-3 fois encore. Ah ouais, bien! Je sais pas pourquoi des zones j'ai max de lag, mais oui! C'est 1000 fois plus frustrant comme mort. Mais complètement, j'avais ça à un moment dans une zone où je risquais de tomber à tout moment. C'est l'enfer. Bah, c'est pas ta faute, et en plus, quand tu enchaînes les lags, t'arrives plus. Si t'en as beaucoup, enfin des freezes, parce que je dis les lags, mais c'est des freezes. Si t'enchaînes un peu trop les freezes en peu de temps, genre en une minute, t'en as 3-4. C'est super difficile de se reconcentrer sur le fight à force. Parce que t'en as qui te demandent quand même max de concentration, je trouve. Il va m'envoyer un truc. Oh, c'est Godric. Je l'ai oublié. Arrête. J'ai testé, mais c'était pas le moment de le tester. Il est spectaculaire, mais il est naze. Ah merde! Il en fait deux. Il en fait deux. J'ai 33 000 en plus. Ah oui, c'est comme ça qu'elle est. Et pas comme ça, moi je suis comme ça. Elle était comme ça en fait. Ça marche moins bien parce que j'ai mal fait mes yeux, moi je les ai fait comme ça. Pas grave. Comme ça? Non, elle était comme ça. Vraiment que j'ai l'impression que d'un coup la manette fait plus les mouvements non enregistrés. Elle fait tous les mouvements. Oui, c'est ça. Elle fait tous les mouvements d'un coup. Et le truc, c'est que toi, souvent, bah, tu vas paniquer peut-être un petit peu quand t'as le freeze en mode vite, 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 faut que j'esquive. Donc t'as fait plein de mouvements et en fait, bah, c'est le pire. Parce qu'une fois que tu reviens, tu retrouves le contrôle de ton perso, il a roulé 15 fois et en fait, bah. Vers le boss ou alors un endroit qu'il fallait pas du tout. Tout à fait. Mais bon, apparemment c'est assez assez constant chez les joueurs PC de ce que j'ai pu comprendre. Pour notre plus grand plaisir. Je savais pas qu'il en faisait deux.
c'est ce qui va être trop tôt. On se doutait. Trop loin. Il fait trois coups aussi, c'est bon quoi au bout d'un moment. Plus d'endu moi. J'ai roulé deux fois. C'est faisable. Pattern a l'air plus simple. En fait, c'est le pattern que du premier, que de sa première phase. Je crois. Hein. GG, merci. Et c'est celui de sa deuxième qui est plus dur, surtout au cac. Du coup, oui. Il était plus simple. Il avait, je pense, pas autant de vie. J'en sais rien. J'avoue que je l'ai fait au début. Enfin, j'ai fait à longtemps maintenant. C'est dans le passé. C'est rare que je joue aussi longtemps un jeu. Sans au bout d'un moment me dire bon allez, je veux quand même voir la fin. C'est quoi, 2 mois qu'on est dessus? C'est fou, il est trop bien ce jeu. Encore ramé quoi. Mais non. Faut juste trouver le build adéquat. Et moi je sais qu'il faut que je refasse des trucs, hein. Déjà mon casque il est pas bon. Mes sorts, il y en a que j'ai toujours pas trouvé qui me sont importants de ce que j'ai pu comprendre. Même si j'en sais pas plus pour le moment. Mais mon casque je sais hein, qui serait bien que j'ai. Apparemment on peut le choper au début. Dans des catacombes. Mais bah je crois que c'est en tuant des mobs et voilà c'est une chance de loot je crois. Allez, là je sais, voilà. Je sais pas pourquoi ça loot pas. J'ai l'impression que c'est parce qu'il y a trop d'input en même temps. Ça veut pas looter parfois. Là ça veut bien. Alors que tout à l'heure, je tournais autour de l'objet pendant 5 secondes. Ça marchait pas. C'est tout ? Ah voilà. Non mais remis ! Le don veut plus tous à l'avant de la tour, car à l'arrière ça captait mal. Qu'est-ce que c'est le dongle? Mais je pense que c'est propre au jeu, hein. Je pense que c'est pas lié. Enfin, voilà, on a les mêmes soucis exactement. Perso, j'ai pas ça quand je jouais. Enfin, je sais pas, quand je joue à Vampire Survivor, je vois absolument pas le problème. Mais les inputs sont plus simples. Mais quand je fais n'importe quel autre jeu à la manette, j'ai pas ça. Quand je jouais à Hades, par exemple, j'avais pas ça. Enfin, voilà. Je pense vraiment que c'est un bug propre au jeu. Et que les endroits où il y a des lags. USB. Ok, ok. Ouais, ouais. Je me suis dit ça après. Ah, je suis sauté.
Arrête. Pas drôle. Oh, il fallait que je l'évolue. Qu'est-ce que c'est? Pierre calorifère. Pierre calorifère. Une bière avec de l'huile de palme, quoi. Une pierre. J'ai dit bière. Une bière à l'huile. Mais ce petit campement, est-ce qu'il renferme quelque chose? Oh, il renferme toi! Vous savez qu'on peut avoir son masque et que j'ai toujours pas eu et que je suis deg? Allez, donne-moi ton casque. Toujours pas. Je l'ai pas eu moi. J'aime beaucoup ce look. Une bière calorifère. Ouais, j'aime bien l'idée. C'est une bière pour grossir juste. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Ou bien des bières allégées. Mais par rapport au bière normal, du coup, il y a quoi en plus? Et de l'huile. On a mis beaucoup d'huile. Ça se mélange mal, mais... Les calorifères. Ma bière à l'huile. Pardon, je suis partie. Je suis plus là. Je suis juste plus là. Vu ton idiot, tu devrais carrément retourner faire tout ce que t'as pas fini dans les autres zones. Mais c'est bon là, j'ai tout fini hein. Enfin j'ai tout fini. Tout ce que je sais qu'il me restait à faire. Kaelit, je pense que je pourrais retourner encore un peu, mais là, il y a un truc qui est vraiment dur. Et j'attends encore parce qu'en plus il n'y a pas de point de respawn à côté et ça me gonfle de ouf. Et j'ai une tour à faire. Mais ici en fait je suis déjà trop au level pour cette zone. Donc je vais pas attendre encore. Alors pour Kaelid, limite, bah ouais, je suis encore trop bas level pour certaines zones dans Kaelid. Du coup, bah en fait, je pense que là, je suis dans une zone qu'il faut que je fasse... Enfin, voilà, c'est un que j'attende plus, en fait, avant de faire cette zone. Je suis clairement, pour le moment, j'aurais dû faire cette zone plus tôt, en fait, même. Donc voilà, quoi. Arrête. J'ai la tête de citrouille moi. Mais oui, mais c'est une chance de le looter. Moi je l'ai pas looté moi. J'ai pas eu cette chance. Je sais que mon frère il a looté sur une des citrouilles que moi j'avais déjà combattu. Et hop. Allez, Torrent. Talisman de pavois. What is that? Talisman de pavois. Renforce la garde. Un truc dont on parlait tout à l'heure, des donjons que t'as pas fait. Et quel donjon? Parle des catacombes. Ah, j'ai peut-être pas toutes faites, ouais. Je sais qu'il y en a au moins une dans la première zone que j'ai pas faite parce qu'il y a un truc que je vais looter dedans. Mais bon, voilà, à part celle-là, bah les autres, faudrait que je me spoil pour savoir, hein, pour savoir partout où il y a des catacombes que... Voilà, c'est pas non plus le truc. S'il y a un truc ultra important, pourquoi pas? Mais sinon... Catacombes. Mais j'en ai fait beaucoup des catacombes, hein. Après, j'ai sûrement pas toutes faites, mais je pense que bon, sans se spoiler, personne les a toutes faites. Hein. C'est pas ma prio non plus, hein, j'avoue. Sauf si évidemment on me dit, mais y'a un autre qui serait bien pour toi. Pourquoi pas, mais sinon... Là, par exemple, celle qu'on a faite juste avant, bon bah, ça m'a servi à rien. En fait, les catacombes, vu qu'elles se ressemblent toutes...
pas non plus le truc où je me dis oh là là, je vais trop les parcourir. Toutes les mêmes quoi. Toutes les mêmes, et y'en a marre. Non, non, en vrai ça me dérange pas, mais c'est que du coup c'est pas ce que je recherche le plus. Faut que je passe un niveau. Alors, je vais mettre encore un peu en endu. Et je remets un peu en vie, et après je remettrai en magie. Et en esprit. Faut que je mette en esprit aussi. Franchement, sinon, si tu crois que t'es pas monté aux ruines des falaises, rien que pour la vue, tu vas voir. Bah, fou, oui, j'irai. Mais de toute façon, il y a plein de choses à visiter dans le jeu. TKT. TKT, is ok. Mais ça se trouve, je les ai déjà faites, j'en sais rien après. Hein. Je sais pas ce que t'appelles les falaises en fait, parce qu'il y a mille trucs qui ressemblent à des falaises dans le jeu, donc je t'avoue que je ne sais pas. Peut-être ça ici que t'appelles les falaises? Non, c'est pas ici, non. Il me dit juste avant ma zone. Peut-être ici? Je sais pas. Je sais pas ce que t'appelles les falaises. Non. Pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci Toad! Merci beaucoup pour le raid! Ah! Toad qui était sur Diablo 3, j'ai failli dire 2. Parce que dans mes potes, il y en a plusieurs qui sont sur le 2. Bonsoir madame, bonsoir Tix Belgium. Tu vivrais pas en Suisse? Je suis extrêmement drôle. Toons Army! Comment allez-vous, Toons Army? Tu as tous les sites de grâce par zone. Je peux trouver par nom. Ça s'appelle Falaise! Allez, ça m'aide pas beaucoup, hein. Faire un effort, hein. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci pour le follow, Tix! Je suis du nord du Congo, situé en Italie. Samouraï de la muraille de Chine. Dans du karaté. Contre les Manchaolin. Mais si du coup j'ai les sites de grâce, bon ça veut dire que j'y suis déjà allé. Mais après il y a tellement de mille endroits qui sont magnifiques dans le jeu que voilà. Merci, merci. Bienvenue à vous. C'est bien Diablo qui joue seul? Mais si, y a rien. Mais c'est nul. Ah oui, c'est vrai, mais si, je me rappelle. Je suis allée ici il y a longtemps. Et je me suis dit ça, j'ai l'impression que cette zone, elle est plus tard. Je l'ai pris, on est d'accord. Oui. Et du coup, j'avais plein de trucs à faire dans les autres zones et j'ai pas continué. Mais maintenant que je suis dans le coin, je vais quand même essayer de trouver la map. Pour révéler la zone. Et ces magnifiques frises, comme on en trouve un petit peu partout dans l'Elden. La Pi Grec, c'est des zones dans l'Urnia. Qu'est-ce que je fais moi? Dans l'Urnia. Je sais même pas où c'est l'Urnia. C'est ça? Quoi l'Urnia? Non mais l'Urnia, je sais même pas où c'est moi. Tu veux pas me dire où c'est? Tu me dis pas où c'est, hein, tant pis hein. Non mais l'Urnia, bah je connais pas, donc c'est une zone que je découvrirai plus tard. Sauf en fait, j'y suis déjà allé, j'ai les sites de grâce et voilà. Je suis pas déjà allé et j'irai plus tard. Tu peux pas m'aider, tu vas mettre pas hein, c'est pas grave hein. Oh mais même les crabes maintenant je les ai par double, JPP. Ah non, par triple, j'ai un lit. Oh, ils me saoulent, ils sont 40. Et puis mon perso, il vise un petit meuble très loin. Oh, c'est quoi que je vise derrière? Mais arrête de viser un truc derrière! Voilà, t'es contente? Tu vises un tout petit crabe à la con! C'est bien qu'il y ait une priorité sur le boss quand même. Bordel!
c'est un nom de la région. Ouais, bah j'y suis pas allée, moi. 100% Lurnia. Bah non. Lurnia, il y a écrit que c'est là. Donc si c'est cette zone-là, bah je l'ai pas découverte. Merde. Je sais plus comment enlever les repères, comme ça. Donc que ce soit ici. Alucaria et le manoir. Ah oui, bon bah j'ai tout visité alors. Bah qu'est-ce qui m'ennuie alors? Qu'est-ce qui m'ennuie celui-ci? Voilà, je connais. Bon. Autant. Cette grosse map. Ok. Bah je pensais que c'était la grosse map, parce que du coup c'était... Ouais, que c'était Raya, Lucaria, enfin Raya, tout ça, ou Lucaria, je sais plus. Je savais pas que c'était Lurnia. Oh, sang de guerre, lame de sang, c'est stylé ça. Vous me connaissez, me gonfler. Il est où l'autre moustique là? Il s'est barré. C'est pour moi ça je crois. De quoi? Les moustiques? Attends, deux secondes, bordel! Je vais mourir parce que j'ai pas le bon truc. Allez, relève-toi, je t'en prie! Je vais pas m'enlever un. C'est bon? Je peux t'achever, connard? C'est qui derrière là qui me... Je suis tiqué! Ah! Insupportable! Les compétences de sang. Ah, mais du coup, tu fais full sang, toi? Tu fais. Ok. Bah ouais, hein, c'est vraiment un build super intéressant. Mais j'ai des compétences de saignement aussi sur mon épée, c'est pour ça qu'elle est bien aussi. Mais je sais pas quand ça proc, je vois pas de différence. Ça peut-être proc. Je sais pas. Pour que ça somme comme ça, c'est que ça proc en fait. Je suis fait achever par un putain de bélier, moi. J'avais plus d'HP. J'allais finir le boss. Ce compte book qui me bute par derrière. Ah oui, c'est vrai que des fois ils te foncent dedans les books. Oh, c'est affreux. Ça va, j'arrivais, ouais. Il m'a pas buté, mais. Mais se faire buter par un petit mob à la con derrière, oui, complètement. J'avais ça avec les mains aussi. L'énorme, elle te met des mandales. Et la petite qui va te mettre le dernier coup et qui t'achève. Encore des catacombes. Moi, j'ai plus de clé à lame de pierre là. Si. Il m'en faut deux. J'en ai plein, dis donc. Là, j'en utilisais beaucoup aujourd'hui. Vraiment beaucoup, hein. Et galerie d'Altus. J'en ai entendu parler de la galerie d'Altus. Altus, en tout cas, on en a parlé.
Non, je sais plus, je vais pas faire genre je sais en fait. Si, Altus! C'est sous la terre! Tige en descendant sous la terre. Et là, c'est ça. Eh bien. Non, la plus stupide en combat. Non, pour moi, la mort la plus stupide, c'est quand tu fonces dans. Enfin, quand, en tout cas, je fonce dans le vide en esquivant un coup. Astuce. Dumbledore. Dumbledore? T'es sûr que c'est Dumbledore? Vous êtes quoi, vous? Vous êtes chiant ou ça va? Avec les chiens, ils ont une vitesse d'attaque. On parle à des CFR. Ah, je vais avoir un petit peu des... trucs. Je vais avoir des pierres de forge ici. Et ça, c'est bien. Même les petites font mal. Oui, c'est vrai que les petites mains, elles font mal et elles te foutent au sol. C'est assez insupportable. Oh, mais cette zone, ça a encore m'emmerder, là. C'est la même, on dirait la même que j'ai visitée il n'y a pas longtemps. Ça peut pas être la même, mais elle va me saouler tout autant. En plus, j'arrive à avoir des lags ici, enfin des freezes. C'est quand même dingue. Il n'y a rien. Arrête de freeze le jeu. Ou je t'éclate. Bon, c'est par sécurité, parce que je crois... Ah, il y a un cerf. Oh, je les éclate, Axe. Et ça le brisait, ça le brisait, je sais pas à quoi ça sert. Ah, stop là. La forge 5. C'est des... C'est pas des sombres, c'est des classiques. J'ai plus jamais besoin des classiques, moi il me faut des sombres. Dragon de foudre, punaise. Je commence à avoir des talismans de dragon, mais c'est pas du tout ce qu'il faut pour invoquer les dragons, moi. Même si c'est ultra giga stylax, je crois que c'est pas... ultra giga utile en vrai. Du coup, je vais pas mettre des points dans la foi. Oh. Mais j'ai envie d'avoir le swag d'invoquer des dragons. J'ai vu un joueur PVP quand on était en. Quand on jouait avec Envy faire une invocation comme ça. Bon, alors du coup, il est mort, mais il avait la classe. C'est tout à son honneur. A plus, merci Toons! Merci beaucoup! N'hésitez pas à passer voir Toons et à lâcher un petit follow si vous voulez voir du Diablo. Parce que moi, bon, d'ici le 4, je pense pas que vous en verrez sur ma chaîne, j'en ai déjà fait. Je pense pas que j'en referai. À moins que le 4 sorte un jour. C'est bleu cipo. Oh la vache! Oh là là! J'ai pas fait gaffe qu'il y en avait un autre. C'est marrant parce que tu viens d'illustrer ce qui s'est passé. Des fois, Axelé ne veut pas les chemins, les NPC, etc. Par contre, les loot, elles en loupent pas, hein. Même si j'en ai rien à taper. Il manque une pierre 4 pour améliorer mon katana. Ah, d'accord. Mais ça, c'est tout le temps, en fait, hein. Je me rends compte que c'est tout le temps comme ça. Non, 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 qu'est-ce que je fais? Ça va. Mais je veux pas faire ça, je me trompe de tout, ça m'énerve. Je vais juste leur rappeler. Soit présent. Ok. Bon, j'avais 20 000 ou 24 000. Let's go. Il est immortel début juin. Ouais. Du coup, non, vous en verrez pas non plus. Désolé, hein. Il était tout caché dans les tonneaux. Alors. Je suis allée là-bas et j'ai fait. Maintenant, on va aller l'eau. Oh, je le laisse en vie, vas-y. Oh, il y a une petite animation, il ramasse et il met dans son truc, c'est rigolo.
Oh, mes trucs, ils sont derrière. Ah, oh, c'était ici. Elles sont où? Je les vois pas. Ah, elles sont là-bas. Qui va m'achever, je le sens bien. C'est bon. Parce que je suis quand même très squishy. Hein. Marteau de troll. Je veux mes trucs. Je veux mes trucs. Moi j'ai mes trucs. Alors attendez, on va explorer cette petite zone. Là, il y avait un loot là. Déjà là-dedans, quand même un gros truc qui brille. C'est une pierre. Une pierre. Ah, sombre, ça c'est bien. Voilà, on vérifie qu'il n'y ait pas tout. Et puis on pète un peu tout par vengeance aussi quand même. Ici c'est fait, on a ramassé. Là, il y en a eu. Je pète même les sacs. Un type, des autres, t'es réveillé. Je vais pas te tuer, please. En vrai, je trouve des autres, je voulais pas le réveiller. Trop de choses à explorer là. Je pète tout. Mais là, je pète tout par utilité pour looter. Parce qu'évidemment, si j'avais pas pété les caisses, j'aurais pas pu accéder à mon loot, évidemment. Ouais, ils foutent la paix les mineurs, t'as raison. Des fois, ils foutent pas la paix. Bordel de chien! Y'a quoi d'autre? Oh, j'ai mis du sang sur la pierre. Tout est symbole. Tu vois? Tuer les mineurs, c'est comme péter tout. Je suis pas obligée, mais je le fais quand même un peu. Réflexe. Il y avait quoi d'autre ici? Du tout? Tout ça? Ah ouais. Bon quoi. J'ai galéré à me repérer pour savoir où est-ce que j'ai déjà visité, où je n'ai pas déjà visité. J'aime bien cette pierre, moi, elle me plaît bien là, il se passe un truc là. Évidemment que non. Mm-hmm. Ok. Bah, je peux remonter, je pense, non? Bah non, là. C'est d'où je viens? Pas du tout. Ah bah j'y vais alors. Là, j'ai appuyé 4 fois pour qu'il rentre. Et il a commencé à l'avoir animation. Bref. Il n'y avait pas l'animation avant la troisième fois au moins. Là par contre, je suis pas très, hein. Ça va, j'ai fait quand même mal avec ma magie. Allez, allez ça. Tu vas rester au sol tout le temps. J'ai esquivé, là ça m'énerve. Je suis à chier en esquive là. Tu fais super mal, mais faut encore que j'essaye de le taper des fois au lieu de rater. Mais tu fais super mal. Je vais le faire au cac, mon épée elle est tellement puissante. Ça me force à esquiver. Ah, je suis trop loin.
Mais du mauvais côté. Ah non, non, non! Ah, j'ai plus le temps. Oh, mais là, attendez, il y avait une petite porte là! Bon, je croyais que j'étais en haut. Bref. Dans beaucoup de grottes, c'est comme ça. Ouais, là, il y a un petit passage, on ira. Je m'ai jamais vu tenter d'esquiver. Ok, que c'est dur! À distance, elle tente largement d'anticiper. Ok, t'as pas le temps. Ah, là, il avance tout seul, mon perso! Bordel! Non! Non! Je vais perdre. Please! Connasse de connasse! Putain de manette de merde qui m'a buté, quoi! Ça par contre, franchement, je vais l'éclater cette manette là. C'est déjà fait en fait. Mon perso avançait tout seul et je pouvais rien faire. Ah, ça frise tout mon PC. Ça frise tout mon PC, je suis encore en live ou pas? Parlez-moi dans le chat. Je pense que je suis plus en live. Alors, on va regarder Twitch. Ok. Ah ouais, ça a niqué. Ce problème de manette a niqué tout mon PC. Quitte, ça m'est arrivé, bah ouais, mais je n'avais aucun contrôle en fait. J'ai essayé de prendre le contrôle avec mon clavier, mais vu que ça freeze tout mon PC, bah j'arrivais à peine. C'est pas un souci de manette, c'est un souci de jeu de merde en fait. Putain. Et voilà, j'ai perdu 30 000. Parce que mais ça, j'ai déjà eu. Et pareil, j'ai jamais eu dans un autre jeu. Hein. Donc j'avoue que j'éclate la manette, mais elle est complètement pour rien. Pas le contrôle et ça revient. Mais souvent, tant que tu meurs pas, ça revient pas. Histoire d'être rigolo, quoi. Chut. Non, pas toi! Voilà, merci de me faire viser le truc très utile, à savoir le mineur qui a demandé à personne. Là, de perdre des runes comme ça. Rien à foutre. Le jeu ils mettent pas au bout d'un moment hein. On va faire avec les invoques hein. J'ai voulu rouler, il voulait pas. Voilà! T'as récupéré combien? Même pas 10 000, je pense. 9 000, ouais. Même pas 10 000. Oh là là! Autant tout à l'heure, j'ai perdu mes runes parce que je suis morte. T'es deg, mais là, je suis encore plus deg alors que j'en ai perdu moins. À cause de ça, quoi! Ça déprime. Je veux même pas continuer à les fouiller ces trucs, je pense. Je suis trop saoulée, je veux sortir. Je veux partir. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci pour le follow, Brian Rodriguez. Je dis ça à l'américaine sans aucune raison. C'est mon côté un peu fofolle. 25K à cause du jeu, ça fait rager. Mais oui, putain!
Désolé, manette. C'est la première fois que je tapais ma manette. D'habitude, je tape le bureau, quoi. C'est pas grave. Le bureau, il est costaud. Pas la manette. Ah, je suis trop saoulée. Désolé, on arrive à un moment où le jeu m'a complètement bugué et m'a fait perdre des runes. Je vis mal. Non mais il est sur moi là au bout d'un moment. Oh là là, je lui date les couilles. Pardon, je lui date les couilles. Allez. S'en va, hein. Je veux découvrir la map de la zone. Ça commence à me saouler de pas comprendre l'étendue. Donc on va continuer le chemin. Quoi ça? Un cavalier, ça. Il va m'éclater, le cavalier. Oh, je sors bien l'éclatade. De toute façon, j'ai plus que 15 000. Qu'est-ce que je sors fou? C'est pas un cavalier, c'était un mec debout. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il paraissait super grand pour un mec debout. Oh les crabes, c'est bon, on l'a fait tout à l'heure. Hein. Si c'est jeu qui m'a piégé, je rage grave. Mais oui, tu te sens... En fait, c'est trop injuste, quoi. C'est ça, le truc. Et dans un jeu comme ça, souvent, bon bah, tu rages suffisamment saoulé de tes propres morts pour ne pas rajouter celles causées par le jeu, quoi. Enfin, c'est bon, je passe à autre chose, tout va bien. Le jeu est super. Oh, là-bas, je vois. Ah, c'est là où je suis allée tout à l'heure, ouais. Par contre, qu'est-ce que c'est ça, la tour, là? Pfff, c'est risqué. Oui, c'est là où je suis allée tout à l'heure. Hein. Non, pas du tout. Oh non, je suis pas prête. Ah, j'ai dit, je suis pas prête plein de fois. Méchant. Flemme de prendre des risques. En même temps, je suis mage. L'arme de vie, enfin! Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas trouvé. Tellement longtemps. Il doit y avoir un feu pas loin. Il y a toujours un feu pas loin de ces églises là. Oh si, il y a un truc qu'il fallait que je fasse et je sais plus dans quelle zone c'est. C'est trouver les animaux érudits. Parce que maintenant je sais à peu près comment les trouver puisque je l'ai fait pour être dans une autre zone. Ouais, dans la toute première où j'avais vu ça, et ben j'ai pas su. J'ai trop su. Il y a des loups. J'entends des bruits de mobs, ils sont pas les loups. Hein. J'entends des bruits de mobs chelous. Il fait ce bruit. Ah, ça me nerve de pas voir la source avant de descendre. Oh là, il y a un truc bizarre là. Vous voyez à droite de l'écran? Ah non, je suis là. Vous voyez là? Attendez. Là. Je connais pas ça, hein. Jamais vu ça, moi. Hein. C'est un truc qui a pas l'air très en forme. Ça décuve, là. Là, ça décuve. C'est lundi matin, là. Ça, c'est un piège, ça. Ouh là là, c'est quoi cette zone? Bon, on va remettre de la mana. Et franchement, on va se mettre une petite popo de vie, quand même. Descends du cheval. Putain, c'est pas né, hein. Quoi ça? Oh, ça les a tués. Ok, j'ai un nouveau mécanisme. Ok, j'ai.
Il est où le gars qui sort d'une soirée étudiante là? Oh mais non, il pleure! Non mais j'ai trop pas envie de le tuer, il pleure! Oh, c'est trop triste! Bon d'accord, il est dégueu, mais il pleure! C'est avec les tortues géantes, oui! C'est où votre énigme l'autre soir? Avec les tortues géantes? Je crois que c'était là. Ouais, c'était là. Et c'est une zone qu'on a découvert parce qu'on pouvait y aller que par un TP, genre là. C'était, ouais, c'était ça. Sud de l'hôtel à Lyurnia. Non, je fais que passer. Non, je veux pas te tuer, t'es trop triste. Oh. C'est de la mange-mort. Je mange, me mords. Excrément doré. Excrément doré. C'est donc un alien. Franchement, je trouve cette scène triste. Je me suis dit peut-être que le jeu a prévu le fait que les joueurs voudront pas le tuer, genre en mode tu seras quelqu'un de bien et il te parle. Des fois, je vous tente. Hein. Il peut se passer plein de trucs. En tout cas, j'ai zéro chemin. Il n'y a pas de chemin. C'est vraiment par. Bah, je crois que c'est par les souterrains. Ou alors c'est par un TP. Genre un portail. Je sais plus, mais c'est en une zone que tu peux pas y aller par un chemin classique, quoi. Bon, j'aimerais bien quand même découvrir. Ah, mais faut que je suive les chemins un peu, moi. Et là. Alors, on va aller là-bas. Oh, il y en a qui sont habillés. Ah, mais c'est ça qu'ils envoient de la mort. Non, reviens. Retourne, reviens, reviens. Okay. Non, stop! J'ai crevé! Ça tue instant, ça. La mal mort, pas de la mange mort. La mal mort, ça tue instant. Le chevalier qui devant des dons, un des donjons que j'ai fait ce soir, il colle de la mal mort. Ah ouais, je réapparais là, je suis si loin. Faut que je remonte du coup. Oui, c'est. Oui, voilà. C'est bon, c'est bon. J'ai le chemin. Caverne des couteaux noirs. Ah, je connais pas les noms des cavernes, je fais jamais gaffe, vraiment. Bon, on va quand même essayer d'aller récupérer tout ça avant. Puis on essaie de pécho la map. Si j'utilise ça, ça va m'emmener au bon endroit ou pas? Parce que. J'en doute un peu, hein. Oh, c'est trop stylé par contre. Ah si si. Ça m'emmène au bon endroit.
parcours illusoire. Oh ! Ah, j'ai la map ! Non. Un emblème, mais je sais où est l'autre. Faut que je trouve les trois emblèmes. Mange pas ça, j'avais un autre truc à faire. L'autre, il est là-bas. Qui tout là-bas, à droite. Ah bah je l'ai déjà activé. Je pense que je considère que j'ai déjà activé. Du coup il m'en faut encore un. Ok. Ok. Je vais quand même aller récupérer mes trucs. Hein. Là mais du coup il y en a deux. Oh ça va. Ça va, il nous repère pas de loin. Ah, celui-là si. Ah bah je pourrais trop venir. Ah quand on est toujours en tête, ça défonce. Oh non. Il m'a eu. Mais celui qui pleure, vraiment il a fallu que je me colle à lui pour qu'il me... Il m'attaque donc on s'en fout. Alors quête à nombre des couteaux noirs, c'est une quête de Rogier. Rogier je sais pas si... Ah si je l'ai croisé je crois une fois. Et puis bah je l'ai invoqué une fois. C'était tout quoi. En fait c'était tout. Est-ce que ça peut être là-haut? Oui c'est très bleu Sipo. Ouais mais j'ai pas du tout j'ai pas tout ce qu'il faut pour monter. Ça peut être complètement là-haut quand même. On a là-bas, ok. J'ai l'air de pleurer. Par contre, il y a un loot intéressant. Les autres ils ont rien fait. J'ai plus de mana. Papillon naissant. Ok. On a pécho un confort quoi. On crise d'acier plutôt. Mais le troisième totem, je vois pas. Je sais pas s'il est loin dans la zone ou pas, les deux étaient très proches. Je suis en mode YOLO. Le YOLO finalement ça me va bien. D'accord il pleure. Charlotte trouvait que c'était délire. Faudra qu'on reparle de son système de référence avec Charlotte là. Il se moque de moi. Ça, c'est pas, il m'inspire pas l'immense marade, j'avoue.
Après, c'est peut-être moi qui me trompe. Peut-être qu'elle est tellement joyeuse, Charlotte, qu'elle voit tout en... Ah, elle voit tout le monde rire. Même quand il pleure. Elle l'a dérogé. Ça me paraissait pas trop être des rires. Bah en fait, il m'inspire pas une incroyable joie de vivre de manière générale, quoi, en fait. Disons que ce genre de démarche... Ça fait pas penser à quelqu'un qui vient de se taper la plus grosse barre de sa life, mais encore une fois, voilà. Chacun son système de référence. Après, Charlotte, tu lui mets un truc, essaye de ne pas rire, peut-être qu'elle chiale. Chacun son système de référence. C'est où le truc ? Il y a forcément un totem ici. Oh, je t'ai raté. Oh, je fais que te rater. Tu m'énerves fortement. Alors, on a forcément un dans le coin, du coup. Non mais là, je suis trop loin du mob, là. Bah oui. Tout à l'heure, là, quand j'ai fait un truc comme ça, bah c'était le totem. J'ai tapé le totem, il a disparu. Il était trop deg. Une lueur où j'ai rêvé? Où ça? Le caillou, qu'est-ce que ça s'appelle le caillou? Ah, tu veux dire ça? J'avoue qu'il est chelou. Ah, mais ça, t'as raison. Putain. Eh, c'est vicieux quand même, hein. Maintenant, faut que je retrouve où était le truc qu'on a parlé. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi. Je me suis dit, il y a une lueur, ok, mais avec l'air en dessous, quoi. Mais c'est vrai, t'avais raison. T'avais tout à fait raison. C'est par là. Tu veux le sanglier, tu. Bon bah je suis plus le sanglier en fait. Ah! Là, les frises, c'est que c'est peut-être par là non? Je suis les frises. C'est pas par là. C'était où? C'est au bord de la falaise? Je sais plus. Mais non, c'est plutôt par là en fait. Je pense. C'est grave vicieux, mais oui hein. Mais comme le coup des tortues, on avait une cachée dans une tornade. C'est pas un endroit où on se cache, normalement. Après c'est vicieux, mais bon. J'ai eu, je m'en fous. Je vais pas faire ça. Vite. C'est bon. La première de l'arbre, je l'ai vue, je sais pas comment. Bah GG. Ça me gratouille l'œil. C'est bon, c'est moi depuis. Ah mais ça fait apparaître ça. C'est incroyable. Par un mob à l'intérieur, par hasard. Non, c'est juste qu'ils sont proches. Bon. Et bon, on va voir. De la première énigme.
Mais la toute première, moi je l'ai pas faite, hein, en vrai. Je savais pas en fait, à ce moment-là. Je savais pas comment ça se passait. Maintenant, faut que j'y retourne. Et je sais même plus où c'est cette première énigme. L'âme indiscernable. Forme indiscernable. Ok. Œuf endormi. Pas du tout. Ça. Ici ? Ah non, c'est pas ici. Ah, c'est des invocations alors ? Bah, c'était quoi la main discernable, le machin indiscernable ? C'est là. Finesse, pardon. Rend l'utilisateur quasi invisible. Rend l'arme en main droite entièrement invisible. Mais ça sert à quoi? D'avoir juste son épée qui est invisible. Elles sont aux quatre coins de la map. Ah mais la première elle était où? Peut-être dans cette zone. Peut-être pas. Je sais qu'il y en a une que j'ai trouvée en tout cas vers le début. Et je savais pas quoi faire. Allez, viens. Viens avec nous dans les bras de la bibou. Pas ça. C'est sûr que c'est tour? Moi, je suis pas sûr que c'est tour. Ouais, non, c'est hôtel peut-être. On ne commence qu'à Durnia. Bon, ouais. Ah, peut-être ça? Non. Je sais plus. Je sais plus du tout où est la première. Est-ce qu'il faut que je la fasse un jour? Tour de Testou? Ah, c'est peut-être la tour de Testou. Oui, c'est peut-être la tour de Testou. J'ai besoin d'être, tu me dis? C'est juste que... Oui, c'est gentil, Brian. C'est juste qu'en fait, il y a une... Assez tôt, j'ai croisé une tour où j'avais une énigme qui était trouver des animaux érudits, je l'ai pas faite. Récemment, j'ai trouvé une autre me demandant ça, et là, j'ai compris à peu près le principe et je l'ai faite. Le truc, c'est que je sais plus où était du tout la première que j'ai croisée il y a longtemps. C'est la troisième. Ah bah, la toute première, j'ai peut-être pas croisé en fait. Bah j'irai à Testou. On ira à Testou voir. Parce que voilà, c'était au moment où j'étais un peu... Je pensais même pas avoir que c'était en Lurnia. Juste à l'est de celle-là, un peu au nord. Mais ça c'est autre chose ça. Enfin, si tu parles de celle-là, d'ailleurs, je vais enlever la balise. Tac. Ça, c'est une énigme. Une énigme pas très instinctive quand on... Enfin, c'est pas très instinctif quand on connaît pas les Souls. Je pense qu'un joueur de Souls aura peut-être eu le réflexe de tester ce qu'on a testé, mais... Moi, non. Mais ça, c'est autre chose. C'est effectivement une énigme, remarque, mais c'est une énigme différente, quoi.
Ouais, 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 mais moi je parle des animaux érudits, je parle pas de toutes les énigmes. Les animaux érudits, bah je l'ai croisé deux fois. Bon, je vais là-bas, enfin, hein. Je veux découvrir la map. Après, on pourra repartir un petit peu, faire d'autres trucs. Un petit peu. Tour du poisé, play du poisé, tour du testou. Je sais pas. Bah sachant que dans les l'une des deux prosélytes. Bah c'est lié à une autre énigme. Au prosélyte aussi. Et bon bah j'ai vu ça, ça m'a rien donné hein. C'est du lore quoi. D'accord, d'accord. Je fais le tour, je compris. Compris. Ah, c'est ici. Calme-toi. Oh, il y a un mec que je connais là. Plateau d'Altus, on en va trouver. 11h silence. C'est pas des animaux érudits, mais ça reste érudit. Ouais, mais c'est pas le même principe. Tiens, mais qui voilà. Quel plaisir de croiser une tête connue si loin du bastion de la table ronde. Figurez-vous que depuis, j'ai moi-même acquis de nouvelles compétences. Je ferai une joie de partager ce savoir avec vous. Ah ouais. Moi les incantations, je m'en fous, je peux pas, j'ai pas la foi, littéralement. Du lore ou du lox? Moi je suis du lox. Je n'ai pas encore trouvé le noble masque d'or. J'imagine qu'il doit résider plus près de l'arme monde. Le chemin risque d'être périlleux. Je ne m'en détournerai pas. Depuis mon départ, la passion de la table ronde dans ma solitude est une révélation. En vérité, je ne sais que très peu de choses. Mais encore. Ah, je peux en utiliser. Et après, il y en a que je pourrais quand même avoir. Le soin, ça pourrait être intéressant, mais bon, je... Ouais, ça va. Ça a une empoisonnement. Ça peut être top. Crée une zone de ténèbres qui dissimule l'utilisateur. Oh, déplacement silencieux. Onde de chat qui repousse l'ennemi. Résistance aux dégâts de foudre, résistance aux dégâts de feu, résistance aux dégâts magiques. Et moi j'ai les boules de feu. Mais bon. Une que j'ai eu par un coup de fion, l'autre en baisant le game, apparemment. Fallait pas faire comme j'ai fait. D'accord. Il me dit qu'il se barrait de la table. Je sais pas où il était. Eh ben il est là pour le moment. Ah je voulais voir la zone. Mais nerve. Alors, il ressemble à quoi le plateau? Ah oui, il y a des trucs ici, il y a des trucs ici. Le plateau, c'est juste la zone du milieu. Ok! Ah, oh, il y a une vieillarde ici, mais j'aime pas. Mais j'apprends tant de choses. Pardon, j'ai baillé. Bon, je vais faire vite fait les animaux érudits. Ça m'énerve de pas l'avoir fait. Donc, ce serait... Là-bas, c'est possible. Île du sorcier, on va tester. Ah oui, c'est peut-être bien ici. Non. Ah si. Non. Ah si. Si. Et si, 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 je me rappelle, il y avait une tortue à côté. Je vais réexaminer au cas où. Voilà.
Bon, maintenant que je sais qu'elles peuvent être n'importe où. Mais arrêtez enfin! Ils résistent mieux que les mobs que j'ai dans la zone juste dans laquelle j'étais avant quoi. À des cus là. Au plateau machin. Les mobs en fait sont moins résistants. Ah mais c'est vrai, on peut. Ben Aïda. Ouais, ça suffit pas de la toucher. Moi j'aime pas tuer les tortues, c'est affreux. La preuve, regardez, il refuse. Désolé, je te promets, c'est pas moi, c'est le jeu, c'est un connard, c'est pas moi. Ah ouais, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là, je me rappelle. Member. Du coup, c'est ma deuxième. On manque une troisième. La musique, elle me fout la pression. Ça peut peut-être être sur toute l'île. Faut que je fasse un... Ah non ! Je suis décédée. Non, ça va. Ça va ! Oh, mais la musique, il fout trop la pression par contre. Plateau 3 mages, j'en fais plus quoi. Ça paraît plus logique d'aller à Kaelid. Ouais, après Lurnia, ouais, complètement. En tout cas, au niveau de la difficulté, ça paraît complètement plus logique. Après, au niveau de l'histoire, je sais pas. Mais en toute logique, le jeu ne prévoirait pas une zone. Une zone trop level, puis une zone trop bas level, ça n'aurait pas de sens. Mais ouais, je suis assez d'accord avec Kaelid, c'est pour ça que moi j'attends un peu avant de terminer ce que je dois terminer, parce que... Ah, elle est là! Oh, désolé! Parce que voilà! Kaelid, ça me gonfle. J'ai pas trouvé? Ah, mais j'en avais déjà tué une! Avant... Ah, mais ça a pas compté, faut que je recommence. En même temps, c'était il y a super longtemps. C'est peut-être celle que j'ai tuée tout à l'heure. Ah du coup il m'en manque une. Ah bah zut. Elle est là, ouais, je m'en doutais. Voilà, c'est fait. Tuer des tortues qu'on a demandé. Après qu'on me dise pas qu'on n'est pas les méchants hein. Après, le jeu aussi prévoit le fait que tu fasses des allers-retours. Hein. Il t'y pousse un peu parce que là, tiens, tout à l'heure, c'est un petit spoil, mais je suis allée à l'académie. Ah, remarque. Ouais, si, je suis retournée à l'académie du coup pour aller pour découvrir les sous-sols. Et j'ai croisé un PNJ avec qui j'ai eu une interaction et avec laquelle t'as une interaction que après l'académie. Et t'es pas en forme. Voilà, je te dis pas qui c'est, hein. Pas très important. Franchement, c'est giga pas important et c'est complètement secondaire. Mais je l'ai croisé moi parce que j'avais pas fait cette zone. Mais en vrai, si t'as tout bien fouillé avant, bah t'y retournes pas. Et pourtant, le jeu prévoit complètement que t'y retournes, quoi. Quête de D. Mais j'ai oublié que c'est D, moi. Ah, mais si, non, c'est bon, je sais. Ouais, D. Moi, j'ai fait plein de trucs avec D, là. Et la nana et tout, il s'est passé plein de queues trues.
C'était le Raphaël et April. Ouais, j'ai... une tortue, elle aussi? Parce qu'elle se déguise vachement mieux que les autres. Ok, mémolite. En vrai, j'ai déjà trop de sorts. Je vais pas l'utiliser pour le moment. Je vais attendre d'avoir des sorts bien et j'utiliserai à ce moment-là. Oui, je sais. Ça sert à rien, mais avoir un emplacement en plus, ça va me... ça va m'embrouiller pour le moment. Ah, ils ok, c'est géré. C'est sympa, là! On est détendu du slibard, ici! Comme au début, faut leur reparler. Ouais, faut que je retourne à table ronde, d'ailleurs, parce que j'ai croisé... vu que j'ai croisé lui, je crois que j'ai croisé... bah, j'ai fait d'autres trucs. Faut que je vois si ça a eu des conséquences. Et si on a fait un petit peu bouger le coprophage ou pas du tout. Fiole sacrée, du coup je peux ajouter une dose. Ah non, j'ai que 3 graines je crois alors. Bon, je peux l'améliorer au moins. Ah, j'ai des frises sur ça. Oui. J'ai essayé dose comme ça pour le moment, j'ai eu beaucoup plus de vie mais vu que je suis beaucoup à l'épée c'est pas plus mal. Alors. Là j'avais quoi? Là c'était juste un truc éventuellement intéressant. Je sais plus. Je sais plus. Et là c'était un portail. Ah oui, ça devait être ça. C'était... c'est là où il y a des portos. Okidoki. Bah, let's go. Bonne nuit, Fernalou, des zoubis. J'ai oublié deux autres prénoms. T'avais dit quoi? Raffaello, Donatello. Il y a Michelangelo. Et... Leonardo, simplement. Voilà. Ah, mais faut que je monte par là. Le frère Corinne. Sacré bro. J'irais bien d'aller voir la vieille dame Auditi, là. On va explorer cette zone, déjà. Sinon je vais manger mes morts. Je voulais voir par où j'allais en allant par là. Ah bah il y a des ruines. On va voir les ruines tiens. À la table avant au cas où. Bah, en vrai j'y suis allée il y a pas très longtemps vraiment. En ma dernière session je crois que j'y suis allée d'ailleurs. Je reparlais à tout le monde. Il va me faire passer là dans les mobs évidemment. Il con. En ce moment que t'as pas parlé au perso, tu parles les dialogues. Non. Alors, c'est pas pour ce que je lis hein, dans les dialogues. Voilà, passe bien au milieu de tout le monde, hein? Nulos. Surtout pour après remonter, tu pouvais faire un tout droit là. Oh, j'ai enfilé son arme. Une arme apparemment pas dégueu. Putain, je l'ai pas croisé, j'y peux rien. Hein.
En fait, si on a peur de louper le moindre truc, on fait que se spoiler les jeux constamment. Moi, vraiment, la table, j'y suis allée à la dernière session. Depuis, j'ai quasiment rien fait. Je vais pas y aller tout le temps, quoi. Et reparler à chaque fois à tous les PNJ pour savoir si s'est passé un nouveau truc. Ça me gonfle. Viens avec nous dans le monde et t'as dit vous. Et sur le balcon de la table ronde, où on va jamais. Bah, quand j'y suis allée, il y avait personne. Ah, des méduses. J'aime bien ces mobs, ils sont beaux. À table. Moi, c'est un morceau de pizza. Mais ce serait mieux que je le garde pour plus tard. Je crois que c'est D qui m'a dit qu'il était sur le balcon d'ailleurs. Mais moi, D, je sais pas à quel moment il aurait pu me dire ça parce que vraiment, je parle à chaque fois. Enfin, je lui parlais à chaque fois. Et il me répétait à chaque fois le même dialogue, quoi. Auriez-vous vu une certaine machin? Un machin. J'étais pas retournée depuis ma rencontre avec le boss. Bah moi j'y suis retournée et il y a de nouveau le boss en fait. C'est pas un vrai boss. Il réapparaît le machin. Du coup j'ai dû buter. Mais cette fois j'en suis mieux sortie. Merci. Le ronde. Personne se retrouve dans un coin. En effet. C'est chiant quand on est dans un coin. Enfin, en bout de table en fait. Si c'est une longue table. Après, table carrée, ça va mieux. C'est pas trop grave d'être dans un coin. J'utilise un arc runique, un de ces quatre. Oh non, je suis encore dans des mines, je viens de réaliser. Oh non, ça va être chiant et long. Et voilà, et on m'attaque. Ah oui, ces petits escargots serpents magiques. C'est trop rigolo. Ça parce que bon bah ceux-là ils font plus escargot un peu voilà un peu chelou mais escargot quand même mais il y en a ils ont vraiment comme une tête de serpent en fait, quand ils ont pas tout plein de trucs là sur la tronche ça fait tête de serpent et j'aime bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre hein. C'est des racines. À un moment je crois que quand j'ai tué Godric il y a un truc du genre. On se voit, c'est un sorcier. Ok. Je réessaierai, mais cette fois je descendrai pas. Je recroise l'autre et c'est quand même chiant. Ouais, désolé, vous me faites peur avec vos bâtons là. C'est un sort que j'ai, ça aussi. Quand ils me le font, ça me fait beaucoup plus de dégâts qu'à eux. Hein. Qu'est-ce que j'entends ici? Ça fait les foufous un peu, hein. What? Et parfois ils esquivent des coups, je ne sais point comment, hein. Ah là 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 là.
J'en ai pas loupé là dans le coin. Attends, je pète tout. Important. Bon là j'avoue, je fais nawak. Là je comprends comment il est esquivé. Attention ! Sans plus de temps. Mine de rien. Mine de rien, c'est grand. Ah ! Et merde, fais chier. Oh ! Et merde. Dans la caméra, hein. Dans notre gueule à nous. Oh là 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 là, en plus il est au-dessus du vide. Il est au-dessus du vide. Je viens de là, hein. J'ai bien fouillé au moins. Je pense que oui. Ça va être galère. Va falloir que je monte. Que je sois assez proche de lui pour pouvoir défoncer à l'arc ou autre. Bah j'ai tout fait, en fait. Oh bien, là je viens de là. Là c'était un cul-de-sac. Ah non, j'ai pas fait ici. J'ai rien dit. Là pareil, j'ai spammé. Ça a pas voulu. Pas. Donne combien? Donne pas mal, hein. Ok. Oh non. Et voilà, ils sont en double tout le temps, ils sont en double maintenant, tout le temps, tout le temps. Je tente ça. Je m'en doutais un peu. Eux, je leur fais rien. Eux, je leur fais vraiment rien. Jamais j'y arrive. Merde moi. Je leur fais rien. Je sais pas ce qu'il faut. Il faut dégâts. Je sais pas. Il faut du contondant. Pour tout péter. Ça jamais. J'y arriverai pas. Que je fais, je tente avec une invoque. Je pense que c'est ma seule chance, hein. Notre cac, il va y avoir des alliés au cac. Non mais c'est pas question de cac, faut surtout avoir autre chose qu'une arme tranchante. Le tranchant, ils s'en foutent rien à péter.
le dos. Ok, d'accord. Comment j'ai pu crit et que ça lui fasse si peu là? Comment tout à l'heure? Attendez, ils ont... c'est quoi leur point faible en fait? C'est dans le dos, c'est ça? Ah, faut qu'il soit à terre. Et je comprends pas. Je comprends pas ces mobs en fait. Ouais, c'est complètement mon invoque qui a fait le café parce qu'elle a pris l'aggro. Bon, après, ils sont pas très durs au niveau du pattern. C'est juste que là, j'ai pas compris. Ce qui a fait qu'ils ont pris super cher, parce qu'à un moment il y en avait un qui était quand même stun, il a pas pris. Et il y a qu'une fois qu'ils ont pris un crit. Ah non, je comprends pas. Leur barre invisible qui accumule des dégâts. Ah, d'accord. Ok, ok. Je pensais, d'accord. Ah, parce qu'il y a une énorme différence quoi. Donc ils prennent cher de ouf. J'ai pas vu venir, bah complètement. J'avoue, ils ont pris super cher et j'ai pas... Ouais, je comprenais pas, mais ok. Je pensais vraiment que c'était le genre de mob, juste qu'il fallait les... Voilà, avoir la bonne arme. Mais que nenni. Alors par contre, du coup, on n'a pas trouvé... est-ce qu'il y aura une autre mine? Parce qu'on n'a pas trouvé comment s'occuper de... Comment appeler ça? De la de l'insecte géant qui m'a tiré des trucs dans la tronche, quoi. On va réexplorer quand même parce que ce truc là, moi, et surtout qu'il avait l'air d'y avoir encore du passage derrière lui, je vais aller voir. Enfin, un petit dodo. Quoique! Ils sont apparus, oh bah oui. Mais tiens. Sont sensibles au sang, d'autres à la foi, d'autres à la magie. Bah ceux-là, ils étaient sensibles à rien au départ. Au départ, t'en sais rien, mais d'un coup, tu vas la barre descendre à mort. Bah non, c'est pas ça. Enfin, d'habitude, les mobs, si tu trouves la bonne arme, tu vas voir tout de suite si ça marche ou pas. Ou en tout cas, bah, au moment où t'as saigné moi qui proc, tu vas voir si ça proc comme il faut et tout. Mais là, eux, j'ai pas compris ce qu'a fait que... d'un coup ça a marché, un même coup a super bien marché alors qu'il marchait pas du tout avant. Tu vois, c'est ça la différence avec les autres mobs, avec les autres boss ou quoi que ce soit. C'est que bah les autres boss t'as pas d'un coup un... à moins que t'aies un truc qui proc bien sûr. Mais moi bah c'était pas le cas parce que c'était pas sur un seul coup. D'un coup ils étaient au sol et là tous les coups qui marchaient pas avant je leur faisais super mal d'un coup. Putain, je vois rien. Giga chiant. Trou. Du coup ici il n'y a pas de passage secret hein. Je t'avais pas vu toi. On dirait qu'il n'y a pas d'autre passage. Et je veux voir s'il y a tout derrière. Rien du tout. On va redescendre. On va péter des trucs. Ça j'aime quand même bien. Sensible à cette pente tendre.
Ce sont des pommes non létales. Alors. Mais d'où je viens ? Là-bas, c'est le boss. Bah, c'est un cul-de-sac. Ouais, bah, j'aurais pas. En fait, j'aurais pas le. La suite maintenant, quoi. À moins que. Derrière le boss, j'ai peut-être pas vu, il y avait un passage. Non, j'ai fouillé. Non, bah, j'aurais pas la suite. Non, c'est pas un cul-de-sac là-bas, c'est la suite justement. Je vais voir alors. Il y a peut-être un passage ici que j'ai pas vu. Ah bon, c'était un peu tout moche. Bah, en fait, faut que je marche dessus tout simplement. Je viens juste de me rendre compte. C'est bien le moment de me laguer à la gueule. Voilà. Où est-ce qu'on loot cette armure du creuset ? Après un boss ? Ah oui ! Attends, oui ! C'était... Ah, c'est la suite de Nocron. C'est où Nocron ? Non, Lencel. Non, Nocron. Nocron. Désolé. Oui c'est ça, c'était à Nocron, il y avait un petit passage à repérer et là j'ai vu plein de trucs, des boss et tout ça, et toute une zone qui s'est ouverte à moi et qui a fini par me donner accès à cette zone là il me semble. Et voilà, je sais pas si tu la connais cette zone là. C'est après après avoir battu pour la deuxième fois le cerf, il y a un petit passage. Je sais plus où c'était ce petit passage. Je vais chercher, on va voir ça. On va voir ça ensemble d'ailleurs parce qu'on m'a demandé plusieurs fois où est-ce qu'il était ce passage et j'ai déjà oublié. Mais, je vais quand même récupérer mes trucs hein. C'est une celle qui te donne accès à la petite zone à gauche. Ah bah alors c'est autre chose, désolé. Enfin c'est autre chose, je veux dire c'est bien là, ce que je te dis c'est bien là. Là où je suis allée, mais... Mais ça lag un max. Oh mais ils sont pas morts en fait. Bordel, non je veux pas les... Ah mais j'en fous des vidéos. Oh, je vais crever. Crever à cause de ces connards, mais je les déteste tous. Je veux juste récupérer mes trucs. Laissez-moi récupérer mes trucs. Viens les graines TL. Oh putain! Alors, je vais essayer de retrouver cette zone-là. Jamais récupérer les miennes. Oui, oui, j'ai eu peur de ça. En fait, moi, j'ai surtout eu peur parce que moi, j'étais vraiment morte sur ce truc-là. Mais j'ai eu peur surtout de retomber au moment où j'essayais de monter sur cette barrière. Alors, c'était derrière ici. Avant, je vais peut-être m'occuper des gars qui risquent de me tuer. J'ai déjà oublié. En fait, c'est mon frère qui m'a montré cette zone, parce que je savais pas.
on avait fait déjà? Comment il se casse? Comment on avait fait? Mais par où on était passé? On était venu ici et il m'avait emmené quelque part. Je m'en rappelle plus. De quoi? C'est juste au-dessus? Ah, fallait monter! Ah, il y a les méduses! Et oui, c'est en hauteur, c'est pas en bas. Mais par contre, comment tu montes? Parce qu'en fait, je me suis suivi aveuglément. Je peux pas. Oh, non. Voilà. Et oui, le repère, c'est les méduses. Et après? Après, faut que j'en monte. Là, j'arrive dans les méduses. Et c'est là. Voilà, c'était ça, le chemin. Merci beaucoup. Parce que bah, je m'en rappelais pas du tout. Voilà. Et là, une zone va s'offrir à vous. Avec un petit épée, j'avais oublié son nom. Avec. Ouh. Merci Royal! On le dit dans le chat. Et du coup, on a accès à ce temple-là, des trucs. Enfin bref, voilà. J'ai déjà tout fait ici. C'est juste que je me rappelais absolument pas. Ah ouais, j'avais fait le saut ici, je me rappelle. Après, c'est l'aqueduc, c'est ça? Ah, c'est bien ça, hein. Après, c'est bien l'aqueduc. Ouais, c'est une sorte de palais. Ça donne accès à cette zone, c'est ça? Ici, c'est la continuité, puisqu'après, bah, ouais, c'est ça, ok. Ah oui. Il y a plein de Michelin tués partout. Moi, je vais essayer de trouver là. Et c'est ici qu'il y avait les égyptologues. Oui. Ah bon? Mais c'est pas des gargouilles, attends, ce sont pas des gargouilles. Ah bon? Je sais pas, du coup, je dis ça aussi. Et ici, vous aurez des boss. Voilà. J'ai pris beaucoup de temps pour répondre à la question, alors que la personne est sûrement déjà partie. C'est relou quand tu joues avec lui, il est trop bon. Mais oui, non mais... Alors par contre, ça c'est ce que j'ai vécu toute ma life. Hein. Mon frère, il est fort à tous les jeux auxquels il joue. Auxquels il décide de jouer vraiment. Genre il va te faire une partie de Mario Kart, il s'en fout. Mais... Et encore, il sera pas si dégueu. Mais voilà, il est bon à tous les jeux auxquels il joue. Et... il est bon vite. Et il trouve plein de trucs très vite. Voilà. Et du coup, faudra aller tout au bout pour avoir un point de TP ici. Il faudra interagir avec So. Ça donne... Ça m'emmène où alors ça? Juste pour voir où est-ce que ça m'emmène, comme ça au moins je dirai pas des bêtises la prochaine fois. On l'a déjà fait tout ça, hein, pour ceux qui se demanderaient. J'ai rien capté l'autre fois, vous avez tellement... Mais oui, on a tellement enchaîné. Et c'est vrai que bah quand on guide, je fais pas du tout gaffe à par où je passe. Mais je suis pareil en voiture, par exemple. Je me fais conduire, je saurais absolument pas dire par où je suis passé. Alors que quand je marche à pied, bon bah voilà, c'est moi qui me gère. Donc je saurais, mais en voiture... Bah là, c'est pareil. Là, j'étais un peu en mode en voiture, quoi. Donc genre il a pris des médocs. Ah ouais ouais. Ah et puis des fois quand il est parti à t'expliquer des trucs, il s'arrête pas. J'aurais pu passer là un truc.
Ah, ok. Ça m'emmène ici. Vendeur de fond de racine. Temple de serre à gauche, le repère des méduses. Ouais. Merci. Au moins, je saurais facilement décrire aux gens qui me demandent. Et du coup, quand on continue cette zone, on va avoir aussi des boss, dont un qui loot cette magnifique armure. Encore une fois, je pense que la personne, de toute façon, s'est barrée, comme à chaque fois. Une personne me pose la question, s'il met plus de 30 secondes à répondre, elle est plus là. Bon, j'avoue, tout à l'heure, j'avais le seum d'avoir tout expliqué un truc alors que la personne s'est barrée. J'avoue, je suis peut-être un petit peu médisante. Mais bon, bref. En tout cas... Ah si, je suis là. Ah d'accord, d'accord. C'est que j'ai l'habitude. Ça me le fait très souvent sur Elden Ring, on me pose des questions. J'y réponds. Et du coup, bah... Souvent, la personne est partie entre-temps. Et donc, bah, je mets un peu tout en pause pour rien. C'est à moi que tu parles. Oui, bah vu que tu me demandais où j'avais l'armure. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci. Merci beaucoup pour le follow. Désolée du coup d'avoir été... Mais voilà, c'est dans cette zone-là où j'ai eu un boss qui m'a looté cette armure. Et je montrais comment accéder à cette zone. Parce que moi, si on me l'avait pas montré, bah j'aurais pas su. Voilà, voilà. Et je retourne à Altus. Merci, merci à toi. Donc voilà, ouais, c'est ça, le repère, comme disait Royal dans le chat. Et ça, faudrait que j'y pense quand on me demande. Le temple du cerf à gauche, lever la tête, regarder les méduses et essayer de les atteindre. Et après, on poursuit le chemin. Ok, je vais le faire lui. Je pense qu'il va me suivre sinon. Ah. J'allais pas être une recrute avec lui comme chef de guild. Vraiment. Ouais, il a sa vision des choses aussi, hein, du coup. Il est... Bah franchement, t'aimerais... Voilà. Surtout quand on était jeune, t'aurais pas aimé être sa petite sœur non plus. Hein. Tu me saoules. Dégage. Voilà, je le voyais pas, je m'en fous. Ok, voilà, je voulais juste faire ce qui pouvait potentiellement me gonfler. Et c'était pas là, c'était sur le côté. Ici. Voilà. Ah mais non, mais j'ai pas... C'est combien? Mais oui, j'ai 45 000, mais il me manque combien pour la suite là? Il manque 10 000, je vais pas prendre 10 000. Ça peut être facile d'arriver derrière lui. Ah bah moi surtout que ouais, c'était fou. Je sais pas comment j'ai fait ça. Ah c'était frustrant. C'est surtout pas par rapport à ça que je disais ça, c'est que forcément... On a 4 ans d'écart, donc quand on était plus jeune c'était un peu plus... C'est un peu moins l'entente quoi. Surtout qu'il est très taquin. Ok. Allez. Mais putain, je fais la même. J'en ai marre. Il est dur ce saut. Je fais la même quoi. Vitesse à qui devait avancer dans le jeu. J'hallucinais. Je connais tellement tout, il est à fond. Et oui. Bon, après, il a le temps aussi. Hein. Je veux dire, il a la possibilité de pouvoir pas mal jouer. Mais il avance très très vite, ouais. Mais pour autant, voilà, ça l'empêchera pas de beaucoup explorer tout ça. Je fais que perdre mes runes au même endroit parce que j'arrive pas à monter. D'accord, je continue. Ah, je t'éclate.
Merci, Silence. C'est par là qu'il faut passer. Il n'y a pas d'autre moyen. Et d'ailleurs, à chaque fois, je pète des trucs. Mais ils sont censés m'aider, je pense, à escalader. Quoi? Mais d'où? J'ai vu les trucs lui passer à travers le corps. Et toi, je te déteste. Pourquoi je monte en même temps? J'ai pas besoin. Un max de temps à m'éparpiller sur des trucs. Beaucoup moins de talent. Ouais, bah après, il a aussi les réflexes de ce genre de joueur. Parce qu'il joue à beaucoup de jeux différents. Beaucoup de jeux différents. Je vais y arriver, je vous promets, le prochain coup c'est bon. Et du coup, il a aussi les bons réflexes de début de RPG, quoi. Ça joue. C'est pas grave, on apprend. Franchement, je suis à 48 000. En tuant quelques mobs, je vais atteindre quasiment 50 000. Je pense que je vais pas tergiverser plus et je vais prendre mes runes et comme ça, après, j'en aurai plus rien à faire. Ouais. Alors, le problème, c'est que je saute tout droit. Ouais. C'est pas là. Ça m'énerve. Ouais, t'as raison, j'ai pas besoin de sauter sur la rambarde en fait. Mais c'est juste que je me protège de la rambarde. Enfin, du truc. Est-ce qu'il me suit l'autre? Je vais pas le faire tout de suite. J'ai tué un peu tout pour récupérer un max de runes et je vais retourner au spawn pour les utiliser. Parce que là, les trucs de chute, c'est trop facile de se planter et de se replanter en essayant de récupérer ces runes. Du coup, on va juste être prudent et prudente. Voilà, c'est juste pour monter un peu jusqu'à... Faut que je monte jusqu'à 55 000. J'ai ce qu'il faut pour faire la différence, mais si je peux choper quelques... un peu d'XP avant, autant le faire. Là, il y avait des mobs sur le chemin. Je vais les pêcher aussi. Et comme ça, j'aurais plus cette pression au moins, et c'est pas grave si je les perds, parce que... C'est juste très chiant. Oh, j'aurais pu faire aussi l'endroit où il y a le boss. Oh, mais ça suffira, j'aurai quoi, 3000, moins de 3000 à faire. Ouais, ça va. Alors, il me faut combien? C'est le mauvais. Statue. Ouais, ça va. On fait la différence. Je suis tout juste. Non, c'est bon. Ouais, si, je suis tout juste. Tout juste. Ouais, j'avais dit un dernier en endu. Voilà. Plus de pression. Je ne dis jamais biscuit d'eau doré. Mais pourquoi? T'es jamais dans ce cas de figure? Toi qui me dis tout le temps utilise tes runes! C'est la racine longue d'histoire. Une histoire qui prend racine. Oh ben. MDR.
m'agace. Et je le fais juste parce qu'il m'énerve. Ok. Si je compte ma journée, je prends deux levels d'un coup. Mais plus hein. Parce que t'en as qui donnent 10. T'en as qui donnent 10 000 que t'as peut-être, t'as. Ah mais j'avais oublié lui. Non mais c'est le meilleur plan de se mettre là parce que. En fait le problème c'est que je peux commencer à la racine directe mais. Mauvais plan. Non, je vais monter sur la rambarde et aller sur le côté à gauche, mais pas. Je vais pas faire comme ça. Putain, mais j'aurais tellement un timing pourri, je vais. Je sais pas. Du coup, j'en ai tellement que j'ai commencé à mettre mon coffre, les petits de level 1. Mais comment ça se fait que tu l'utilises jamais ? La map en tuant des mobs, les autres gardes. Les autres, tu les gardes au cas où. Ouais, mais t'as jamais ce cas avant un boss de vouloir utiliser tes runes. Parce que moi, bon, bah, c'est l'unique moment où je le fais. Mais ça m'arrive régulièrement, quoi. Genre, toi, t'as jamais ça? Non, lui. Ah ! Non ! J'en ai marre, je vais juste aller sur cette putain de rambarde, j'arrive pas. Et après, avant, je dois tuer forcément des mobs parce que sinon ils me suivent et c'est pas possible. Et du coup, bah, je passe mes 15 minutes avant d'arriver au point pour au final mourir en une seconde. Et j'ai des putains de freeze. Raté. Je vais me protéger. Ça sert qu'à ça, tu te fous de ma gueule? J'aimerais tellement pouvoir t'attendre, je te déteste. Non, ça sert qu'à ça. Ça sert qu'à avoir un loot et j'oublie ce que c'était. Oh, j'ai trop le seum. Oh, je suis semée, mais un masque. Ah, par contre, il y a un truc en dessous. Arrête, laisse-moi tranquille, j'ai des problèmes. Laisse-moi tranquille, j'ai des problèmes. Arrête. Des problèmes.
J'espérais qu'il y ait une sortie. Il n'y en avait pas. Ben voilà. C'est quoi ce coin? Il sert à quoi cet espace? Hein? Avoir un petit loot de merde? Bah super! Y'a rien d'autre, on est d'accord? Je suis pas Taros! J'ai envie de faire du boudin. C'est comment elle monte comme ça la branche là? Mais elle passe juste à travers le mur. En fait là c'est une racine qui voilà qui s'arrête, mais elle a une grosse base dans le mur et du coup voilà. Quoi, c'est un loot, c'est ça un loot nul. Voilà, j'ai pris ton loot nul. Bande de nul. Nul. Mob nul. Et mine nul. Il meurt de façon nulle. Le monde, il est nul. Nul, 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 nul. Arrêtez, nul. Arrêtez, c'est trop nul. Oh là là, c'est tellement nul. De toute façon, il n'y avait rien et puis c'était nul. Non, mais ça s'arrête, j'y retourne, il n'y avait rien, on est d'accord. J'ai envie quand même d'avoir le cœur net. Mais je vais être patiente, du coup, on va attendre. Fermez-tu-le, toi ! Espèce de nul ! Allez, allez. Hop, hop. Arrête! Mais arrête de viser lui! Je vais te claquer le beignet! Allez, vas-y, maintenant c'est ton tour. Arrête de te faire bully là! Bordel de fion, quoi! J'y arrive pas, mais j'y arrive pas! Ah, j'y retourne plus. J'y retourne une fois. La dernière. En plus, j'y retourne pour rien. On sait très bien qu'il y a rien, mais j'ai... Juste être sûr. Non. Voilà. Non, pas lui. Voilà. Comment ça se bloque ? J'avais oublié. Regardez ce que je prends dans ma gueule. C'est Nawak.
peux pas juste descendre tranquille là? Par ici? Simplement? Bordel quoi. Ouais, je suis trop déçue par ce coin, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a forcément autre chose, mais non quoi. Arrête le jeu. Et là... Là ça sert à rien. Là je m'en foutais un peu là. Non bon bah c'est pas là la suite en fait. Il doit y avoir une autre grotte qui est connectée. J'imagine. Parce que bah là j'ai tout visité, hein, d'accord. Hein. Oh je suis saoulée. Just saoulée. Et bah c'est pas grave, on se tire. Je vais arrêter la VOD là, tiens. Voilà. Un échec et de la déception. C'est ça aussi la vie. Bisous.